Salut, moi c'est Mathéo Jacquemoud, je viens de Luce-la-Croix-Haute et sinon j'habite à l'année ici à Val-Louise. J'ai 22 ans et je pratique le ski alpinisme en compétition depuis 2007. Je cours en équipe de France depuis 7 saisons et je suis avec Scarpa depuis 2 saisons maintenant. Ouais, c'est des produits exceptionnels, c'est vraiment très fiable, on arrive à progresser et c'est surtout très costaud, très fiable et confortable. Moi, je me suis vraiment mis au ski alpinisme, vraiment par envie, pour être libre d'aller où je veux en montagne. Donc c'est vraiment ça qui est fabuleux, c'est de découvrir des super paysages et d'aller où on veut, de faire des pentes vierges et puis d'allier l'effort physique à la découverte d'un environnement incroyable. On ne profite pas de la même façon, mais on profite aussi parce qu'on est dans l'effort et on aime ça. Et puis à l'entraînement, on profite aussi beaucoup de l'environnement. Ouais, ces championnats du monde, ils sont vraiment très très bien passés. J'ai gagné avec William la course par équipe dimanche. Et puis après, ça s'est vraiment bien enchaîné avec l'individuel où c'était une super course, super bagarre avec Kylian et William. Donc j'ai fini deuxième. Et puis la vertical race, j'ai le titre en espoir. Et puis pour clôturer la belle semaine aujourd'hui avec le relais, c'est toujours super. À la bonne vôtre. Salut, moi c'est Axel Mollaret, je viens d'Annecy. Je fais du ski alpinisme depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé la rando avec mes parents et c'est ma 6e année en compétition cette année. Je suis rentrée en équipe de France pour cette saison. C'est ma première année en espoir. C'est la première saison là où je cours avec des aliens. Et j'en suis vraiment super contente, à la fois à la montée et à la descente. C'est vraiment super chouette. Moi, j'ai découvert le ski alpiniste d'abord, enfin le ski de rando, pas en compétition, mais en balade. Et j'adore la montagne, aller me promener, donc c'est pour ça que j'ai commencé. Et ensuite, j'aime bien aussi la compétition, donc essayer d'aller encore plus vite en se faisant vraiment plaisir, c'est vraiment ce que je préfère. Et cette année-là, comme je suis passée sur les grands circuits, et ben, je me fais d'autant plus plaisir sur les courses. C'est vraiment ça que j'aime bien, c'est être en montagne, faire des montées, des descentes. Plus on est en dehors des stations, mieux c'est et voilà. Pour moi, c'était une semaine vraiment exceptionnelle, c'est super bien passé. On a commencé par une médaille d'or sur la course en équipe avec Laetitia. Et ensuite, je finis deuxième en senior sur la course individuelle. J'ai gagné toutes les courses en espoir et aujourd'hui, on termine la semaine par un super beau relais où on décroche la dernière médaille d'or de la semaine. Donc c'était vraiment tout exceptionnel. T'as vu là, il y a 2-3 fois et tout en l'air, je me ralentis. Bonjour, alors moi je m'appelle Alexis Sevennec, je viens de Morzine-Avoria, j'ai 25 ans. Depuis 2008, je fais du ski alpinisme en compétition, je suis en équipe de France, ça va faire ma 3e saison. Donc voilà, et je cours chez Scarpa, ça va faire ma 3e saison aussi. Oui, alors je suis très content des produits. Si j'étais pas content, je serais certainement pas dessus. C'est vrai que c'est une chaussure, c'est une des seules chaussures maintenant au niveau de la compétition qui reste avec une coque plastique, mais on s'en sort pas trop mal. Au niveau fiabilité, c'est quand même le top. Et ils évoluent sur le produit et ils travaillent justement avec nous pour faire un produit qui va être au top, quoi. Et au niveau skiabilité, c'est une chaussure qui est assez dément. Ah, le ski alpinisme, on va dire, on m'a pas poussé dedans, mais moi je fais du ski alpin depuis tout petit, je suis moniteur de ski. Et l'été je faisais du foot et j'avais des capacités en endurance, on va dire. Et c'est vrai que j'ai fait 2-3 courses à pied de montagne, ça me plaisait bien et On m'a dit « Ah, mais tu fais de la course à pied, tu fais du ski aussi, il faut que tu te mettes vraiment au ski alpiniste ». Mais moi, ça me plaisait pas quand je voyais le matos de rando de ma mère avec les grosses chaussures et tout. J'aimais pas tant. Alors dès qu'on m'a prêté du matos light, et puis à ce moment-là, je m'y suis mis et c'est vrai que ça m'a plu tout de suite. Et d'allier l'effort physique, la descente en ski, et comme des paysages magnifiques. C'est vraiment un sport qui est très très beau, qui est très dur aussi et qui me plaît beaucoup. Oui, bah, globalement, je suis content, même depuis mon début de saison, je fais un bon début de saison. Là, les championnats, je fais une course 3e place sur la course par équipe avec Xavier Gachet. Donc il y a 2 équipes françaises sur le podium, Mathéo William qui gagne, nous 3e, les Italiens entre les deux. Bon bah c'est comme ça, c'était une belle bagarre. Après lundi je fais une belle 6e place, c'était la bagarre aussi, c'est assez groupé, la verticale c'est pareil, le niveau maintenant il est assez énorme. Et au niveau du temps, on est tous dans la même minute quasiment, 5-6, c'est assez incroyable. Et puis là le relais, bon bah on a eu des petits aléas mais on va quand même chercher le podium, ça fait plaisir.